Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je complète ma vidéo précédente, Vieillir c'est rétrécir, qui a connu un démarrage fulgurant en vous parlant cette fois encore d'un facteur de vieillissement majeur et de rétraction que constitue la surcharge pondérale, autrement dit le poids en excès. Comme notre voiture possède ce qu'on appelle une charge utile, notre corps, lui aussi, dispose d'une limite de charge utile, qui est différente, bien sûr, d'une personne à l'autre, en fonction de sa morphologie, de son terrain et de son hérédité. Nous avons donc une fourchette dans laquelle notre poids peut varier, mais dont il est risqué de sortir pour notre santé. Je vous ai parlé précédemment des rétractions dû aux suites d'accidents, aux mauvaises positions, de travail, de sport également, c'est facile à comprendre. En ce qui concerne l'excès de poids, c'est encore plus facile à comprendre et aussi difficile à traiter, car notre société ne nous incite pas à bouger, à faire du sport, ou tout du moins de l'exercice physique, et encore moins à manger sainement et équilibré. La mode funeste des fast-foods est désastreuse pour la santé. Trop de sucre, trop de graisse, trop de sel, pas assez de vitamines, de minéraux et oligo-éléments, et surtout trop de calories qui se transforment automatiquement en graisse de réserve. Or, si l'accumulation de graisse a pu sauver nos ancêtres lors des périodes de famine, aujourd'hui, cette graisse s'accumule, n'est pas utilisée et crée une inflammation chronique responsable de toute cette cohorte de maladies dégénératives dites de civilisation, c'est-à-dire liées à notre mode de vie moderne qui associe malbouffe, sédentarité et stress. Encore lui et toujours lui. Mon conseil du jour est un de ceux sur lesquels j'insiste dans ma formation résistance anti-âge. Il faut perdre du poids si vous dépassez la limite qui correspond à votre taille. Je vous ai mis ici un tableau de base qui a été fait à ma demande par mon frère Alain. Donc, elle est approximative, bien entendu, mais ça donne déjà une idée. Vous pourrez la compléter par votre calcul d'IMC. Vous trouvez des calculettes automatiques sur Internet. IMC, ça veut dire indice de masse corporelle. En vieillissant, le maintien du poids idéal est absolument capital. L'excès de poids est toujours lié à une inflammation chronique, elle-même liée à la production par la graisse de facteurs pro-inflammatoires, ce qu'on appelle les leptines. En perdant de la masse graisseuse, ne serait-ce que 5 à 10% de votre masse corporelle, en fortifiant par ailleurs la masse maigre, donc les muscles faibles, du ventre, des cuisses, du dos, en étirant les muscles et fascias rétractés, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vieillir en bonne santé. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo de rappel. Si vous la trouvez utile, merci de mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette de notification pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Si vous êtes motivé pour aller plus loin, si vous voulez en savoir plus de l'information et une formation personnelle, pratique, mes vidéos d'information et de coaching, ainsi que mes e-books PDF sont à votre disposition. Vous trouverez le lien en fin de vidéo et dans la description ci-dessous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.